officiellement le 7 décembre 1987 le site du patrimoine du Mont-Royal. Le leadership que Michel Doré a exercé en matière de sauvegarde de la montagne a aussi mené à la signature en 1989 d'un accord de collaboration sans précédent entre les villes de Montréal, d'Outremont, Westmont et les Amis de la montagne pour la conservation et la mise en valeur de Montréal. For the first time, this created a formal bridge in the conversations between the community and the local officials. Et toujours sous le leadership de Jean Doré et le soutien des Amis de la montagne, la ville de Montréal a adopté en 1992 un plan de mise en valeur du Montréal. On lui doit aussi la mise en œuvre d'un plan de rematérialisation de la montagne ainsi que la réaménagement du Belvédère de Montréal, aujourd'hui connu sous le nom du Belvédère mondial, dans le cadre des célébrations du 35e anniversaire de Montréal. C'est dans le plus grand souci